Hey, comment allez-vous, mes chers haricots? Pour ma part, ça va super, je suis très content de vous retrouver avec ce topin numéro 72. Et on va parler ensemble, non pas spécialement de cette partie-là, de toute façon, je l'ai pas mémorisé, je l'ai pas revu depuis tout ce temps, puis entre-temps, j'ai fait tellement de topins après celui-là, bah tu m'étonnes que je m'en souvienne plus de celui-ci, hein, évidemment. Mais j'avais envie de parler plutôt de la saison 6, qui vient d'être annoncée officiellement par les développeurs, bon, ça fait déjà quelques jours de temps, hein, qu'ils l'avaient annoncé. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo de ce genre, d'ailleurs, hein, pour le topin numéro 69, notamment, et 70, bref. Et maintenant, on a eu enfin une toute première vidéo officielle par rapport à une longue vidéo, quoi, hein, par rapport à la saison 6 et de la part des développeurs, avec des interviews surtout, hein, en parallèle de gameplay qu'on a pu voir. Et mes impressions, elles sont assez sceptiques quand même par rapport à cette saison 6 qui aura pour thème le carnaval, la fête, le cirque, bref. Il y aura de nouvelles possibilités de gameplay, de par les nouveaux obstacles qu'il y aura, comme on pourra faire du trapèze par exemple, on pourra rester suspendu dans les airs pendant X temps, bon on pouvait déjà grimper auparavant, hein, sur des murs et tout, mais là ce sera un peu changeant, je ne demande qu'à voir pour cela, ça m'a l'air assez intéressant. Après pour le reste, là il y a quand même des choses qui me font beaucoup pester, oh oui, et pas qu'un peu, hein. C'est bien pour cette raison que globalement, je crois que je crains fortement que je vais être déçu par cette prochaine saison. Alors déçu, oui et non. Sur certains plans, oui, à coup sûr, et sur d'autres, beaucoup moins. Par exemple, bah pour les bonnes nouvelles, on va commencer avec cela, tiens, alors que je devais commencer par les mauvaises, hein, mais bon, c'est pas grave. Les plus, c'est qu'il y aura de nouvelles animations, certes, mais surtout, de nouvelles célébrations. Vous en souvenez, j'en ai parlé il y a pas longtemps, et c'est ce qu'on voit à la fin quand on gagne, ou quand un autre joueur gagne à votre place, eh bien, on peut voir que bah, il fait une célébration, il fait plusieurs animations en même temps. C'est un truc que j'aime plutôt pas mal, il est vrai. Et là, on n'en avait pas eu de nouvelles de célébration depuis la fin de la saison 3, me semble-t-il. Et bien là, avec cette saison 6, ça signe le retour de ce genre de choses. Donc c'est quand même plutôt cool, hein, pour ceux qui aiment un minimum ces trucs-là. Ensuite, on a quand même des beaux costumes. Et on aura des nouveaux événements à durée limitée, à commencer par le tout premier, qui arrivera dès le 1er décembre, donc soit un jour après le lancement de la saison 6, qui arrivera pour ce mardi 30 novembre. Hein. Et bien, on aura un événement qui sera relié par rapport à la série Little Big Planet de Sony. Et donc le costume, bien évidemment, hein, ça concernera le personnage de Sackboy. Alors je m'y connais pas beaucoup dans cette saga-là. Hein. Je n'ai jamais joué à... Je n'ai même jamais acheté un jeu de cette licence, de cette franchise. Mais ça fait plaisir à beaucoup de personnes et je n'en suis pas surpris, hein, puisque c'est une série quand même assez... Bah, elle doit être populaire, hein, je pense bien. Hein. Ça doit être basé sur de la créativité, de la création, ce hein, genre de choses. Bon, j'en ai déjà vu les vidéos, bien sûr, hein, mais... Oh, que je crois qu'il en avait déjà acheté un hein, de Little Big Planet, si je me trompe pas. Il y avait déjà joué un petit peu, mais pas grandement. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais joué à cette franchise. Mais bon, le costume, il a l'air quand même assez chouette, hein, ça y a pas à dire. Puis ça fera plaisir surtout par rapport aux fans de Little Big Planet. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup plaisir. Par contre, on va... Voilà, c'est ça, hein. Il y aura d'autres événements hein, pour d'autres personnages. D'ailleurs, en parlant de costume, on va en avoir un qui va être intéressant dans le pass de saison, qui sera toujours composé de 50 niveaux. J'aurais pensé que... J'y ai pas spécialement pensé, mais j'aurais aimé, disons, qu'ils nous mettent 60 niveaux. Hein. Ça aurait été un peu... Ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas grave. Et dans ce même pass, pour cette saison 6, ben, il y a des costumes qui sont quand même assez drôlesques, hein, il faut le dire. Comme par exemple... C'est déjà la demi-finale? Comme par exemple, eh bien, on pourra porter le Pikétus sur nous. Vous savez, ce marteau-là, qui est quand même populaire dans le jeu, avec une étoile dessus. Ben ouais, on pourra maintenant en avoir un au-dessus de notre tête. C'est quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer comme tout. Ouais, d'autres skins, c'est pareil, ils sont assez charmants, ils sont plutôt réussis, les skins. Après, pour ce qui est des niveaux, il y en a un qui va me saouler, je pense, parce qu'il ressemble au mini-jeu avec les balançoires. En fait, cette saison 6, elle se rapproche un peu de la première saison. Franchement, c'est mon impression, ouais. Ça fait bizarre quand même, et c'est pour ça que, pas principalement, mais en partie, j'en suis pas spécialement fan. Voilà. Après, bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu trouver comme autre thème de saison, mais il y en avait encore, hein. Il y avait un joueur qui avait suggéré plusieurs thèmes, dont un en particulier, c'était celui sur la cuisine. Ah ouais, ça aurait été bizarre, mais ça aurait été faisable largement. Donc on aurait eu des nouveaux fruits en plus, des nouveaux trucs même, du beurre qui nous serait tombé dessus. En bref, vous voyez un peu le genre, hein. Il y avait moyen à faire, mais peut-être que ça arrivera un de ces quatre, hein, de toute façon, hein. Voilà. Mais pour le thème, voilà, je suis pas très fan. Après, c'est ainsi. Hein, la saison 5, pour la précédente, bah, j'avais aimé le thème, certes,
Mais les maps, c'était coussi coussant. Peut-être que là, ça sera l'effet inverse. Je serais pas trop fan du thème, mais les maps seront de bonne facture et à tel point que je pourrais aimer et les apprécier bien plus que celles de la saison 5. Peut-être, on verra tout cela. Ce qui est sûr, c'est que ça sortira pour ce 30 novembre. Pour ce mardi 30 novembre. D'accord? Et pour maintenant, poursuivre avec les mois, bien le fait qu'il n'y ait aucune nouvelle finale. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y aura pas de nouvelles normalement avec cette prochaine saison. Puisque parmi les nouvelles épreuves, on aura deux ou trois nouvelles courses, me semble-t-il. Deux épreuves de chasse, je crois. En tout cas, une, c'est sûr et certain. Et idem pour un mini-jeu d'équipe. Il n'y aura pas de nouvelle finale. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez mon avis là-dessus. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois hein, que, bah, personnellement, je préfère qu'il. À chaque nouvelle saison, ça devrait être un impératif absolu que de nous faire une, de nous offrir une nouvelle finale quand il y a une nouvelle saison. Ah, c'est un top 1 sur l'Hexagone? Chouette. Ouais, qu'est-ce que vous en dites, vous? Ah, bah oui, quand même. À chaque nouvelle saison, on devrait avoir au moins une finale, une nouvelle. Bah là, c'est pas le cas. C'est un peu dommage. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de nouvelle finale hein, durant cette même saison. Avec une mise à jour éventuellement, c'est rare quand même. Hein, faut pas s'y attendre. Mais on ne sait jamais après tout. Hein. Pour une mi-saison, de, par exemple, on pourrait en avoir une basée sur le thème du carnaval et tout. Mais j'y crois moyennement. Non, ça sera encore une de ces saisons où il n'y aura aucune nouvelle finale. Et ce qui est bizarre, c'est que toutes les deux saisons à peu près, on n'en a aucune. Enfin, lors de la saison 2, on n'en avait eu aucune. Idem pour la saison 4. Et là, pour cette saison 6, soit deux saisons après, bah il y en a toujours pas. C'est bizarre quand même, hein? Ouais, après, encore une fois, nous verrons bien avec les futures mises à jour pour cette saison qui se lancera donc prochainement. Autre chose, autre déception bien sûr, toujours au niveau des mini-jeux, c'est qu'il n'y aura pas de... Comment dirais-je? Il n'y aura pas de... Ah. De nouvelles finales... De nouvelles épreuves de survie. Pour l'instant, en tout cas. Non. Non. Et il n'y a que 5 nouveaux niveaux. Là encore, pour ma part, c'est une vraie déception. Je m'attendais à... Moi, je pensais qu'il y en allait avoir moins 6, parce que j'avais déjà entendu des rumeurs, hein, ces derniers temps, évoquant le fait qu'on en aurait 6 de nouvelles épreuves. Et là, que 5, une de moins encore. Déjà que 6, je trouvais pas cela fameux. Mais là, 5... Bah, comprenez ma déception. En 6 mois de temps, à peu près. Hein. Bah, la saison... Non, en 4 mois, à peu près. Parce que la saison 5, elle est sortie le 20 juillet. Et la saison 6, bah, elle sortira pour ce 30. Vous imaginez, 4 mois plus tard, que 5 nouveaux mini-jeux? Je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez, mais pour ma part, bah, c'est pas ouf, hein, et donc c'est une autre déception, en fait, hein, qui se rajoute par rapport aux deux précédentes. Donc pas de nouveaux mini-jeux, et en plus, un nouveau mini-jeu d'équipe. Et comme je n'en suis pas fan, bah, c'est encore à moins. Après, bon, on verra bien, hein, je ne sais pas si ça sera sur deux équipes, basé sur trois ou quatre équipes même. Hein. Ce qu'ils devraient faire, c'est de rajouter un nouveau mini-jeu d'équipe, mais à quatre équipes. Ouais, ça c'est vrai, parce que pour l'instant, le seul qu'on a à 4 équipes, bah, c'est le mini-jeu avec la queue là, hein, c'est tout. Autrement, bah, il n'y en a pas un seul de basé sur autant d'équipes, et c'est un peu dommage. Après, peut-être que là, hein, ils en profiteront pour mettre une chose pareille, mais j'en sais rien. D'après ce que j'ai vu quand même pour les nouvelles épreuves, ça a l'air pas mal, mais alors celle qui ressemble à au balançoire, bah, je vous dis pas, bon, ça va être. Je vais pas dire que ça va être une cata, mais ça risque d'être assez irritant. Pour le moins. Donc là, j'ai pas bien vu la suite de ce top 1. Ah, il ne reste que deux joueurs sans compter ma pomme. Wow. Oh, lui, je l'ai fait tomber, il n'y a plus rien en dessous. Ah bah ouais, c'est passé de 6 à 6. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Ah, je m'en sortais bien dans cette saison 2 pour les top 1 sur Hexagone. Par rapport à tout ce que j'ai fait de la première saison sur cette même finale, c'est quand même contrastant. Hein. Ah, elle pouvait pas le nier, hein, pour ceux qui ont vu souvent mes vidéos de la première saison. Bon, bah, je vous dis à la prochaine, mes chers haricots, hein, pour de prochaines vidéos. Je pense que, avec le prochain numéro de cette série, je continuerai d'évoquer, eh bien, la saison 6. D'accord? Allez, portez-vous bien. Bye.